Je vais activer des gens qui se ressemblent. Attends, mais par contre, si tu me spoil, Amando, le fais pas. Hein. Si tu cherches sur internet et que tu me spoil, ne le fais pas. Jamais, hein. Après, si juste tu cherches de toi-même, c'est bon. Mais si tu spoil en cherchant sur internet, bah, c'est pas bon, quoi. Donc tu spoil, ok. Je sais qu'il faut une autre statue pour la mettre. Je suis pas bête, mais... Il y a des tableaux là. Alors attends, est-ce qu'il faut mettre les tableaux qui sont pas là? Ils sont tous là en fait. Je comprends pas trop ce qu'ils attendent de moi. Là, juste à droite, c'est le monsieur avec la tête tordue. Attends, ou est-ce que c'est les statues qui n'ont pas de tête qu'il faut regarder? Non. Que là, il y avait la vieille avant. On fait quoi? On fait monsieur, vieille, tête bizarre. Je peux pas les allumer tous. Il y en a qui s'éteignent si je fais pas le bon ordre. Tac. Après, il y a le monsieur avec la tête plate. Tu vois, c'est pas ça, mais bon. C'était un. Ah, il n'y a pas le monsieur avec la tête plate. Bon, c'est qui le suivant? La dame, le monsieur avec les yeux tordus. Il y a le mec avec la tête bizarre à droite, mais est-ce qu'il y en a un avant? Ah, il y a l'enfant. L'enfant et le monsieur avec la tête bizarre. L'enfant, il est là. Et lui. Ok. Et j'ai capté.
Bon, ah, je peux pas sortir. Ah merde. Nickel. J'ai peur qu'elle, la geisha, soit là. Genre au milieu là. J'ai trop peur. Ok. Alors du coup, je vais juste regarder si la porte de gauche s'ouvre aussi. Oh, il y a un cadenas. Ah bah non, c'est la porte que je dois faire à la fin. Ok, c'est bon. On a tout. Normalement, j'ai tout. J'ai toute la suite. En fait, il manquait juste l'étape de la porte qui s'ouvrait pas. Et je comprenais pas pourquoi. Fallait juste être à côté, ce qui est un peu bizarre, mais. Mais ça passe. Mais ouais, pour la prochaine fois, Amando. Bon, c'est gentil de m'aider, hein. Mais si je demande, en fait, si je demande pas que vous cherchez sur internet pour m'aider, ne le faites pas. Après, vous pouvez me dire ce qui, enfin, si je vous demande ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire, tu vois. Mais eh, c'est pas la bonne en plus, si. Ah si. Et voilà. J'aime bien découvrir tout seul. Attends, j'ai la statue, j'en fais quoi? Ça servait à quoi la statue déjà? Une blague. Il y a plusieurs objets à mettre. C'est la blague de l'année. Ok, il y a carré encore. Et triangle. Waouh, sa mère. Attends, du coup, est-ce que ici, c'est encore énervé ou pas? Ouais. Est-ce qu'en fait, elle, c'est la statue triangulaire. J'en ai besoin. J'en ai besoin de la statue triangulaire. Je vais retourner dans la pièce où il y a l'œil qui bouge. En fait, il n'y a rien d'autre ici. Ah si, là. Ouah, c'est tellement invisible. Oh, tellement invisible. Ok, il y a une pomme. Enfin, une pomme. Je sais pas ce que c'est, mais... Ah, mais c'est juste pour ça. Oh, je suis dégueu.
pas le prendre la pomme là? Non, je peux pas la prendre. Pas la pomme, l'oignon, je sais pas ce que c'est. Mettre un livre à la place. Bah en fait j'y ai pensé mais c'est pas la même forme. Bah il y a plus de j'y ai pensé mais c'est pas la même forme donc je me suis dit il faut un truc carré. Après ouais s'il faut c'est juste c'est simple c'est juste ça hein. On va essayer hein, de toute façon. Et le DLC est beaucoup plus dur que le jeu basique. Hein. Oh, c'est quoi ça? Oh non. C'est quoi ça, les mecs? Y a des gens bizarres là. Ah mais attends, le livre qui était en... Il y a un mur invisible, les gars, là. Okay. Le livre qui était en haut, c'était lequel? Il était rouge. C'est celui-là qui était en haut, les gars? Ou c'est celui-là? C'est lequel? C'est lui, je crois. On va mettre un gros livre, peut-être ça va marcher. Ouais, je sais, mais bon. Je me suis dit, tu mets une fausse statue à la place de la vraie, etc. On va voir, hein. Ça va pas être le bon. J'avais pas mis les livres ici. Tu vois, le triangle, c'est lui. Le triangle c'est lui et le rond c'est lui. Le triangle il est dans la salle à gauche. Faut aller là ou pas? Non, c'est quand j'aurais fait toute une statue. Ouais, faut que je trouve qu'est-ce qui remplace la statue triangulaire, c'est tout. Faut que je trouve un truc qui a un pied. Et pourquoi ici c'est un. Ah! Pourquoi ici il y a un mur invisible? Bizarre, non? Je vais remonter en haut, s'il faut, il est en haut le livre. En fait, le truc à Mando, c'est que maintenant je te lis plus parce que je sais que t'as vu les solutions, donc j'évite de te lire. Voilà, c'est ce livre-là que je parlais. C'est le rouge. C'est lui que je voulais à la base. En fait, pourquoi il y aurait une échelle en haut qui mène à ce livre? C'est bizarre, non, les gars? Commando.
va tester, de toute façon. On a que ça, on a rien à perdre. Ou est-ce que plusieurs livres, ça fait une pile d'objets? Mais non, c'est... Pour moi, c'est un item qu'il faut mettre. Bah, si ça spoil, je te lirai pas. Hein. J'aime bien chercher. On va voir si dans la pièce de la meuf, il n'y a pas un truc carré. Elle m'a vu là? Ça va pas spoil, attention à toi, vas-y hein, si ça spoil par contre, attention! Attention! Après, on sait qu'il y en a une qui est dans la machine à musique. La machine à musique, c'est la statue ronde. On le sait, on est au courant. La clé, je peux pas la prendre parce que si je m'approche, elle m'encule. Après, je sais pas si je peux l'attirer quelque part. En jetant un livre peut-être. Oh, ou la poupée l'attend. Mmh. Ouais, je galère pas, c'est que je réfléchis. Sauf que moi, je réfléchis trop. C'est ça mon problème. Ça, mon sous-sail. On va juste essayer d'aller dans le côté gauche, voir si elle se retourne. Je vais mourir sans doute, je vais juste voir si elle se retourne quand je vais là. Ouais. En fait, je pense que la clé et la statue ronde, c'est pour plus tard. Il faut que j'arrive à bloquer la porte, mais bon. T'avais galéré ici, toi, Jordi? Je sais pas si t'as fait le DLC. T'as fait le DLC ou pas? Après, le seul endroit où on n'a rien trouvé, c'est ici, hein, finalement. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un truc ici? Il y a toujours ce livre en haut qui sert à rien. Il y a la lampe, mais je me suis dit je vais sauter dessus et je vais escalader quelque part, mais... Je peux pas. Pourquoi cette pièce servirait à rien? Ah, j'ai capté. Ouah, c'était dur. Hein. Ouah, c'était dur, les mecs. J'ai capté, c'est bon. Ouah, les gars. Je vous spoil pas. Au cas où vous avez besoin de réfléchir un petit peu à ce qu'il faut faire. Mais je vous jure que j'ai pas assez fouillé cette pièce, en fait. En plus, avant deux, il m'a dit oublie le livre. Eh non, le livre est primordial. Le livre est primordial, à part si c'est juste un objet de collection, de collectible, mais le livre est primordial, les amis.
Où je le mets, lui? C'est un œil avec plusieurs ronds. C'est un œil avec plusieurs ronds. Ah là. Donc je pense que ça, je le mets à la place de la statue à gauche, qui est triangulaire. Ça, ça va stopper l'œil, parce que c'est une statue carrée, donc logiquement, ça stoppe l'œil. Dans la logique, les gars. Hein? C'est carré qui a... Ouais. Ouais, bon. Je sais pas. Ok, c'est bon, je le flippe. C'est bon, je le flippe là, les gars. Du coup, s'il n'y a plus de courant. S'il n'y a plus de courant, je peux prendre la statue. Peut-être que je peux aller dans la... Ah, peut-être que je peux aller dans la pièce de la geisha. C'est quoi qu'au milieu, les mecs? Oh, j'ai trop peur. Ok. D'accord. Ok. 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 En fait, comment je suis censé faire pour les tuer tous d'un coup? Alors qu'ils prennent zéro dégâts. Et comment je monte en haut aussi? Non! Non!
Comment je monte en haut? Ah, ok. C'est pas la dernière statue là? Attends, je pense que c'est la dernière statue moi. Hein. Non, ça a pas l'air. Ça n'a pas l'air d'être la dernière statue. Comme ça, je voulais dire, ça me fait penser au jeu sur PS1 là. Heart of Darkness. Pour ceux qui ont connu. C'est un excellent jeu. On avait une sorte de laser et on tuait des ombres sur une. Et on était avec notre chien. Je crois qu'on devait sauver notre chien, je crois. On était sur une planète et je sais pas quoi là. Tous les tuer, les gars. Ça respawn à l'infini en fait. Non! Mais non! En fait, la lumière elle se coupe toute seule, les gars. Parce que R3 ça allume et ça éteint la lumière. Comme rond. Oh non! Putain. Et pour bouger la lumière, c'est L3. Et des fois, ça appuie sur éteindre. Ah, j'ai envie de crever. Du coup, ça éteint la lumière. Je sais pas si ça respawn à l'infini, ça le truc. Ouais, ça respawn à l'infini. M'expliquer comment je suis censé faire s'il m'attaque à l'infini. Ok. Alors, il y a un trou, il y a des trous, il y a des petits trous.
Je vais tous les tuer. Il en reste un. C'est là. C'est quoi ces trucs? Ah, c'est des bons qui m'attaquent, malheureusement. Des vilains monstres. Alors, les frères, je vous jure, j'ai sauté, j'ai fait R2 pour agripper cette putain d'échelle. Et ça n'a pas marché, je suis mort. Mais comment ça les pauvres? Ceux qui m'attaquent, non mais oh. Comment ça les pauvres? C'est eux qui me tuent. Je vais me défendre. Je me défends. Ah, pensez quoi du match hier? Bah, cataclysmique, hein, comme tous les matchs de l'équipe de France actuellement. On n'arrive pas à mettre un but, on a zéro de précision, on a zéro de finition. En fait, on joue tout, on joue bien, sauf pour mettre des buts, on n'y arrive pas. C'est vraiment... Devant la cage, on n'arrive pas à tirer, je sais pas, c'est... Mais non! Mais je vous éclaire! Je vous éclaire, messieurs, dames, arrêtez de... Vous êtes des tricheurs! Mais quoi? Mais frère, je l'éclaire! Et j'ai pété un boulon! Et la mécanique de la lampe torche, les gars, je suis pas fan. Je suis pas fan. En fait, je la trouve mal faite. Je l'éclaire et il arrive quand même à me tuer. Je suis en train de t'éclairer. Tu ne peux pas m'attaquer normalement. C'est le but de la torche que j'ai entre les mains. Arrêtez de me tuer! J'ai une torche! Dans les mains. Dès la cul. Allez. Tiens, un topo de fleurs que j'en fais. Et voilà les mecs, sale talent.
talent en fait. Allez. Et j'en peux plus de cette mécanique lampe torche, les mecs, je vais péter un boulon. Pitié. Tiens, tiens, tiens. Ce n'est pas cette putain de geisha. Ah. Je peux pas ouvrir la porte. Je pense que ça, c'est la porte de l'œil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là où j'arrive pas à faire le truc depuis tout à l'heure. Comment je sors en fait? Est-ce que la lampe serait pas un levier? La Belgique, ils ont du mal. Fais-nous sa famille de Mozart. Ah, ce que je vous ai fait, hein. Attends, c'était... Il manque quoi en bas, le rond ou le carré? Ah merde, je sais pas. Je crois que c'est le carré qui manque. L'œil de Pegasus? Eh oui. C'est le... L'œil du millénium. Ah, c'est le rond, j'ai envie de crever. C'est le rond, bordel! Oh bordel. Je vois rien. Je suis où là? On y est presque. Tout ça pour mourir par la meuf à la fin, je suis sûr. Vous savez que le DLC, il est plus long que le jeu basique. Je suis à 2h40. Pas beau ça? Oh, t'es pas belle, hein. Ma rage, j'ai vu un mannequin, j'ai flippé. Et mec, je sens que je vais mourir de peur. Je vais mourir de peur. Je commence à avoir peur là. Je commence à me sentir mal.
Qui est la plus belle du royaume? Ah bah si dans le prochain Blanche-Neige il pose cette question et qu'il dise Blanche-Neige alors que la reine est plus belle de 100 fois. Bon. Blanche-Neige, bref. Et les 7 créatures. Je sais même pas si on peut appeler ça Blanche-Neige en vrai les gars. Y a pas de nain, y a pas de blanche comme la neige. Y a pas grand chose. Je crois qu'y a pas de bisou de prince qui la sauve de la malédiction. Je crois qu'y a pas grand chose en fait qui rappelle Blanche-Neige. C'est. Il reste plus grand chose quoi. Je dois aller où là? Ah. Ok mec. Oh! Je voulais prendre le miroir par terre, je peux pas. Mais il est cassé. Ah, il est cassé, je suis mort. C'est la fin, les gars. C'est la fin. J'ai peur. I am scared. Le screamer arrive. Voilà, le pouvoir noir, ça nous montre bien que la geisha, c'est le personnage principal, tu vois. Tout ça pour rien. Ah. Ah, ok, c'est un peu plus de l'or. Donc, quand on se fait choper par des boss, on devient la créature, en fait. Ah. Je suis la créature. En fait, les enfants qui se font choper, ils deviennent une créature. Et si l'enfant il réussit à survivre longtemps, il devient le boss. Il devient un boss. Bon app les potes, bon app. Vous me croyez si je vous dis que je préfère le DLC plutôt que le jeu basique? Que le DLC, il y a un vrai truc, tu vois. Le jeu basique est cool, mais DLC, il lui met 40-0 quand même. Ah, c'est lui qui s'est bouffé. Enfin, il lui offre la saucisse, c'est ça? C'est ça les mecs. C'est nous, on s'est bouffé. En fait, on se fait tuer deux fois par la geisha. Une fois, elle nous transforme en petit garçon. Et la deuxième fois, elle nous bouffe, quoi. C'est beau. Je voulais son immersion, les gars. Regardez, on va se faire bouffer. Donc là, ils vont me laisser jouer. Je vais prendre la saucisse dans les mains, c'est ça? Non. Ah, ils veulent nous laisser comprendre la chose, d'accord. Ok. Et ben, c'est excellent, les gars. Je pense que le DLC est au-dessus du jeu, pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que le DLC est vraiment au-dessus. Et ben, c'est excellent. C'est ainsi que se conclut le level goal du jeu préféré d'un viewer. A.K.A. Jody. Excellent jeu. On fera le deuxième quand on atteindra un nouvel objectif un autre jour. J'ai très hâte. On est quel jour les gars? Mercredi
Samedi, on fait que du Life is Strange, je vous le dis. Samedi, on finit Life is Strange Tricolor. Je vais tout enchaîner, comme ça on va le finir. Il doit nous rester 4h30 peut-être. Oh! Ah, c'est un... Ah, donc ça, c'est le 2. Parce que ça, la télé, c'est dans le deuxième, ça. Ah, il nous teasait déjà le 2. Il nous teasait... En fait, il nous teasait déjà le 2 dans le DLC. Ok. Ok, ok. Eh ben, excellent. Après YouTube, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner, comme d'habitude. C'était Kent, et des bisous.